Donc, avant de donner la parole à nos conférenciers, permettez-moi de vous les présenter. Donc, c'est Dominique Claveau et Richard Fortier, qui enseignent tous les deux au Collège La Salle. Alors, Dominique, qui est à moi que je vois à ma gauche, là, celui qui est plus. Alors, Dominique est diplômé de l'Université Laval en philosophie depuis 2006. Il enseigne la philosophie et les humanities au Collège La Salle depuis 2010. Les principaux champs d'intérêt à Dominique sont la philosophie politique, l'épistémologie, ainsi que la convergence de ces deux disciplines au sein de la philosophie de l'éducation. Passionné de jeux de rôle, il a découvert ce hobby il y a presque 30 ans. Après en avoir essayé plus d'une centaine, c'est vous dire, il se lance maintenant dans la conception de jeux de rôle, autant pour le divertissement que dans un contexte d'enseignement. Quant à Richard Fortier, il enseigne au Collège Assis depuis 2010. Il enseigne les humanités en formation générale et la psychologie sociale, discipline passionnante sur le 100%, en sciences humaines. Il est détenteur d'un diplôme en comportement organisationnel de l'Université McGill. Il a également réalisé des études libres en histoire et en journalisme. Richard possède aussi un diplôme de deuxième cycle en enseignement collégial de l'Université Laval. Il s'intéresse à la philosophie politique, à la psychologie morale, à l'influence sociale et aux médias. Richard est aussi un passionné de jeux de rôle depuis son enfance. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs, je donne la parole à nos deux conférenciers. Merci beaucoup, Nicole. Bonjour tout le monde. Comme vous avez vu dans la présentation, moi c'est Dominique, c'est mon collègue ici, Richard. On va partager notre écran un peu pour vous montrer un peu le diagramme en format. Voilà. OK. C'est bon. Donc, en gros, je vais vous présenter d'abord le plan de présentation. On aimerait, si vous le permettez, réserver du temps pour les questions à la fin. Donc, on présenterait le tout, puis si vous avez des questions, notez-les quelque part et tout, écrivez dans le chat en attendant si vous ne voulez pas les oublier. Puis on passera dans les questions et réponses plutôt vers la fin, en fait, de la présentation. Donc, dans un premier temps, on aimerait ça parler de nos expériences antérieures, comment nous, on a découvert les jeux de rôle un peu, nos expériences aussi dans jeux immersifs en éducation pour Richard. Ensuite, on va s'attarder un petit peu à la question de savoir qu'est-ce qu'un jeu de rôle en tant que tel, pourquoi est-ce qu'on emploie des jeux de rôle, nous, pourquoi le jeu de rôle choque en tant que tel, puis pourquoi est-ce que, à partir de 2020, le contexte se présentait à ça. Ensuite, on va brièvement présenter comment on a résolu quelques enjeux technologiques, surtout pendant la pandémie et l'enseignement en ligne. On va enchaîner avec une présentation qui vous montre comment le même jeu peut donner suite à trois projets différents. Donc, le jeu lui-même nous force pas la main dans un seul projet. Ensuite, on va parler un peu des observations, des intuitions qu'on avait, puis qu'est-ce que la littérature, en fait, dans le domaine nous indique. On va faire une brève parenthèse sur l'expérimentation qu'on fait avec d'autres jeux de rôle, dans le contexte soit d'autres cours ou encore en Humanities toujours. Puis, on aimerait discuter de comment on souhaite, en fait, étendre la pratique dans un peu des jeux de rôle d'éducation à d'autres contextes que soit l'enseignement ou encore même formation professionnelle, esprit d'équipe, ce genre de choses-là. Puis, finalement, on va conclure avec des regards vers l'avenir. Donc, comme Nicole l'a dit, Dominique et moi, on a tous les deux une expérience et une passion pour les jeux de rôle qui s'étendent jusqu'aux années 80 probablement, début 90 peut-être. Ouais. Ça fait longtemps qu'on est dedans. C'est des belles expériences de jeunesse, puis des intérêts qui ont juste pas fini de s'accroître avec le temps. D'ailleurs, moi, j'avais une expérience très intéressante avec les jeux de rôle et avec des expériences de prise de rôle et prise de parole immersives lors de mon école secondaire, mon passage de l'école secondaire à l'école secondaire St. Thomas High School à Pointe-Claire. J'avais un prof vraiment passionné et innovateur qui s'appelait Dr. Roman Yarimovich. Et lui, il nous faisait faire dans les années 90, des simulations basées dans le système Reacting to the Past, Reacting to History. C'était une série de livres qui se lançaient pour des éducateurs, pour les profs.
de faire des genres de grandes simulations. Donc, on a fait des simulations où moi, j'ai eu l'honneur de prendre le rôle de Maximilien Robespierre pendant les États généraux, puis la suite jusqu'à Terreur. c'est ça, j'ai incarné un inquisiteur dans la cour de Fernand et Isabelle. On a fait des simulations de parlement, des chambres des communes, aussi des simulations de l'ONU. Ça m'a vraiment mis comme une grande appréciation pour ces genres d'activités quand j'étais étudiant. Et aussi, c'est le prof qui m'a initié au jeu Donjons et Dragons. Alors, nous, on se demandait, est-ce que le genre d'expérience que j'ai vu, que j'ai senti dans les situations de reacting to the past, est-ce qu'on peut aller chercher une partie ou même plus des avantages de ces approches-là en utilisant des jeux de rôle commercialement disponibles, des jeux de rôle publiés tels quels? Ça faisait longtemps qu'on avait parlé du potentiel de ces jeux. Et enfin, la pandémie a fait en sorte que M. Frodon, ici, est parti en quête, puis je n'allais pas le laisser aller tout seul. Là. On s'est dit, OK, c'est le temps, on s'en va à Mordor. Fait que, ben, la pandémie, en fait, c'était le contexte parfait pour servir de jeu de rôle, mais avant de commencer à expliquer comment nous, on s'en sert, on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'un jeu de rôle. Donc, un jeu de rôle, c'est un jeu qui propose aux joueurs d'incarner des personnages qui vont vivre des situations fictives, puis le tout se déroule dans une forme d'espèce de théâtre improvisé. La plupart des jeux de rôle ont un maître de jeu qui est en charge d'animer un scénario, d'être un peu l'arbitre des règles. Puis en même temps, le maître de jeu va être là pour incarner le reste du monde. C'est-à-dire que les personnages, les joueurs vont jouer un seul personnage. Le maître de jeu s'occupe de jouer tous les rôles de support, les antagonistes. Donc, habituellement, c'est ça la dynamique. Puis, ce qui est intéressant des jeux de rôle, c'est que les règles du jeu font en sorte que la conversation est structurée. On a tous déjà joué à faire semblant quand on était petit, là, à jouer des rôles, soit jouer à la famille, à l'école, jouer encore aux policiers et aux voleurs. Puis, ceux qui ont joué un petit peu aux policiers ou aux voleurs ou à la guerre avec des fusils en plastique quand ils étaient jeunes, vous savez, la classique formule de « paf, paf, t'es mort. Non, non, c'est pas vrai, tu m'as pas eu. Ah non, non, t'es mort, sinon je joue plus. » Puis là, ça y est, on a une chicane infinie. Les jeux de rôle, eux, parce qu'il y a des règles, parce que ce cadre de règles-là, on coupe ce genre de dispute-là. Puis, les actions dont le résultat est incertain sont souvent déterminées par des lancers de dés. La plupart des jeux de rôle emploient, comme dans leur mécanique, des dés. Ce qui est intéressant des dés, c'est que ça injecte donc du hasard, du suspense, de la surprise. Personne ne peut parfaitement prédire qu'est-ce qui va arriver, ça va être quoi les conséquences de nos choix et de nos actions. À ce moment-là, ça imite un peu la vraie vie dans le sens où tu peux avoir certaines intentions quand j'agis, mais ça ne veut pas dire que mes intentions vont toujours se matérialiser comme je le souhaite. Puis ça force un peu à ce moment-là autant les joueurs que le maître de jeu à devoir composer avec ce que les dés nous réservent en fait. Puis les dés, on le sait, ça génère donc des résultats aléatoires, puis les dés se foutent de nos plans, du scénario qu'on avait en tête. Ça nous force donc à rester un peu alerte puis à improviser en fait la suite des choses. Donc, comme ça se passe beaucoup dans l'imaginaire, ça se passe beaucoup dans la discussion, dans la conversation, ce n'est pas des jeux qui nécessitent nécessairement d'avoir un plateau de jeu ou des pions. Ce ne sont pas des jeux non plus qui sont joués sur console de jeux vidéo. En fait, c'est vraiment des jeux de société là, où les gens vont tout élaborer leur fiction en parlant entre eux, en échangeant des propos entre eux. C'est là que ça devient intéressant un peu quand vient le temps de parler d'éducation parce que tout d'un coup, on a un type de jeu qui va mettre ensemble des étudiants en petites équipes puis qui vont donc pouvoir, eux, parler, échanger, discuter, créer de la fiction ensemble. Une des raisons pour lesquelles on a choisi d'y aller de l'avant avec les jeux de rôle, surtout dans le contexte de la pandémie, c'est que nous, Collège de la Salle, notre population, il y a beaucoup d'étrangers, on a beaucoup d'étudiants internationaux. Tout le monde est en ligne pendant le confinement, donc la plupart des étudiants ne se voyaient pas. Puis en plus, nous, dans le contexte de nos cours en Humanities, c'est des cours de formation générale, donc nos groupes sont mixtes. Donc non seulement les étudiants ne connaissent pas tellement leurs collègues dans leur propre programme,
Mais une fois mis en commun dans nos cours de humanities, ben là, tout le monde était étranger avec tout le monde. On cherchait une manière de briser cette espèce d'isolement-là que vivaient les étudiants, puis une manière aussi de les engager autrement. C'est-à-dire qu'on sait qu'un cours en ligne, ça peut devenir lourd, surtout toute une session, puis surtout dans le contexte où les étudiants, eux, tout leur cours est en ligne. Il y a des étudiants qui ont peut-être 8 heures de cours par jour. On cherchait à arriver avec une idée de projet de session qui n'allait pas être une recherche classique, une étude de cas classique, mais qui allait plutôt les faire parler entre eux, travailler en équipe, puis miser sur leur imagination, leur créativité, en fait, dans le contexte de cours de Humanities. Pourquoi Choc? Ben, Choc, c'est un jeu de rôle de science-fiction avec une dimension sociale. Autrement dit, ce jeu-là, une de ses particularités, c'est qu'il est là, il nous aide en fait à élaborer des histoires de science-fiction où on adresse directement des enjeux éthiques, politiques ou sociaux. Donc, comment ça fonctionne un peu Choc? Le titre du jeu vient du fait qu'un choc, ce serait n'importe quel changement à la société qui fait que ça la rend différente de la nôtre. Autrement dit, le monde est un monde un petit peu dans le futur proche ou encore ça peut être un monde dans carrément l'opéra spatial à la Star Wars. Puis le choc vient donc un petit peu s'assurer qu'on ne joue pas dans la réalité. On joue un petit peu dans une réalité alternative. On le sait qu'on fait de la fiction. Ça libère un peu la parole et la créativité à ce moment-là. Des exemples de choc, ça peut être quelque chose d'aussi gros que les extraterrestres nous contactent ou encore, une invasion de robots à la Terminator ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être quelque chose d'un petit peu plus subtil. C'est-à-dire qu'un choc pourrait être qu'un très faible pourcentage de population a maintenant des dons de télépathie, peut lire dans les pensées, envoyer des pensées, manipuler les esprits des gens. Ce qui est important du choc, c'est que le choc, il ne peut pas être quelque chose qu'on peut facilement ignorer. C'est-à-dire que ça affecte le monde, ça change la donne pour tout le monde. Fait qu'on a le choc d'un côté. Ensuite, quand on joue au jeu, ben, il faut ensuite créer des enjeux. Chaque participant au jeu est responsable d'amener un enjeu social, éthique ou politique qui se rattache quelque part au choc. C'est clair qu'un choc comme la télépathie, ben forcément, ça soulève des questions de violation de la vie privée. C'est-à-dire qu'à toutes les fois que je me sers de mes dons de télépathe et que je lis les pensées de quelqu'un, ben forcément, je viole son espace privé là, de manière encore plus intime que si je faisais des conversations en texto. Ou encore, dans le cas des extraterrestres, ben là, ça peut être des enjeux de survie, ça peut être des enjeux de est-ce qu'on tente de négocier avec eux, est-ce qu'on leur fait la guerre. Donc, il y a tous ces enjeux-là qui peuvent être nés. Chaque étudiant est responsable de créer un enjeu puis d'incarner cet enjeu-là et, au niveau de sa représentation sociale un peu. Il va être l'antagoniste. Il va fournir de l'opposition, il va montrer que cet enjeu-là cause des problèmes pour d'autres personnages qui, eux, vont être nos protagonistes. Donc, les étudiants vont être un petit peu mis ensemble en diade protagoniste-antagoniste quand ils jouent. Puis le reste de l'équipe va jouer des membres de l'audience qui peut intervenir, injecter des détails, jouer des personnages secondaires, puis aussi avoir une influence sur le résultat des conflits puis le résultat des dés. Fait que c'est intéressant parce que la structure du jeu fait en sorte qu'il n'y a pas de maître de jeu. Tout le monde partage les mêmes responsabilités, la même charge de travail pour le jeu. Puis comme les membres de l'audience ont un rôle à jouer, lorsqu'on joue une scène à choc, toute l'équipe est toujours impliquée dans la scène, doit être alerte, doit suivre ce qui se passe dans la fiction, doit savoir quand est-ce venir entrer dans l'improvisation, puis venir injecter ces détails. Je l'ai un petit peu spécifié pourquoi est-ce qu'on sert des jeux de rôle maintenant. C'est le contexte de la pandémie, des études en ligne, mais aussi on sent qu'il y a une tendance forte en pédagogie, qu'on pourrait appeler même la ludopédagogie, où toutes sortes de jeux sérieux ou commerciaux sont maintenant employés dans l'enseignement. Puis, on sent bien qu'il y a une mouvance vers ça. Il y a quelque chose dans l'air là, qui percole. Mais surtout, nous, on avait l'impression que l'angle qu'on allait prendre avec les jeux de rôle allait apporter un caractère vraiment unique à ce genre de projet-là. L'autre petit truc, un petit peu plus pour les profs ici, c'est que comme on va se servir d'un jeu de rôle puis que ça va servir de base pour un projet de session, les étudiants vont avoir plus de difficultés à plagier leur projet de session parce que ce qu'ils doivent analyser dans le cadre du projet, c'est la fiction qu'ils vont avoir élaborée en commun. Ça devient très difficile d'aller chercher sur Google pour trouver les réponses. Il y a quelque chose là dans cette fiction-là qui font que, premièrement, c'est unique. Puis ensuite, une fois que j'ai passé des heures à créer une histoire avec mes collègues, il y a une espèce d'investissement qui est déjà mis dans la démarche qui fait en sorte que j'ai plus tellement le goût d'aller tricher
Je vais simplement me servir du jeu à ce moment-là. Là, ici, vous voyez la page couverture du jeu original Shock et puis une photo de Joshua A.C. Newman, le créateur original du jeu, qui nous a gracieusement donné permission de se servir de son jeu dans le cadre de nos cours. Donc, le jeu se sert super bien. Là. Il est vraiment utile, tel quel, pour le genre de projet qu'on voulait faire, mais il se prête assez bien à être adapté aussi. De là, on peut... J'aurais une petite question, ce que je sais, vous vouliez répondre à la fin, mais je vais être bien certaine de comprendre ce dont vous parlez. Premièrement, bon, la simulation, je demandais dans le chat, différence entre simulation et jeu de rôle. La simulation, c'est qu'on tente de reproduire, c'est ce que Samuel répondait, on tente de reproduire le plus fidèlement possible une réalité, genre simulation politique ou n'importe quoi. Tandis que jeu de rôle, ça peut être un peu n'importe quoi, ça peut être quelque chose de... Est-ce que c'est nécessairement quelque chose de fictif? Est-ce qu'on peut se retrouver dans un jeu de rôle, mais que c'est un jeu de rôle associé à une réalité des années 2020? Oui, 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 absolument. Là-dessus, moi, je dirais qu'une simulation, les projets de simulation de Reacting to the Past, ce qui est intéressant, on ne veut pas nécessairement recréer les événements historiques tels qu'ils se sont présentés, mais plutôt une situation historique telle qu'elle existait. Puis là, d'improviser un petit peu en incarnant le rôle puis les besoins de chacun, là, mais de laisser la suite des événements se produire autrement si on veut. Là. On essaie de chacun tirer le couvercle de notre bord un petit peu. Mais ce qui les distingue, c'est que c'est souvent toute la classe ensemble. Oui. Ça va être une trentaine ou une soixantaine même d'élèves ensemble en train de discuter de quelque chose d'historique. Les jeux de rôle, c'est plutôt en petits groupes. Des jeux de rôle commerciaux de même, là, c'est des groupes de 3 à 6 joueurs d'habitude, on pourrait dire. Nous, dans le cas de notre jeu et dans notre projet, on proposait des groupes de 3 à 4 idéalement. Et ce que je disais tantôt avec ce jeu en particulier, c'est que Shock n'a pas de préférence tant qu'au genre de changement science-fiction que le groupe pourrait décider de faire. Moi, dans mon utilisation, dans mon projet, moi, je proposais aux élèves une sélection de 12 chocs qui sont des idées que j'aurais traitées en classe de toute façon. L'automatisation du travail, l'émergence possible de vraies intelligence artificielle générale ou super intelligence, des affaires comme s'implanter des modems dans la tête là, des chips dans la tête, les premières colonies sur Mars, de se poser des questions un petit peu plus proches de choses qui pourraient se manifester sur les 100 prochaines années, disons. Alors, moi, je mettais ça là-dedans, mais le jeu en soi, tel qu'on peut jouer sans limite, moi, je l'adaptais un petit peu. Aussi, il faut dire, après la première fois qu'on l'avait joué, qu'on l'avait fait jouer avec nos élèves, on trouvait qu'une des embûches était... la complexité des règles, même si elle n'était pas si complexe que ça, nous, on a eu le droit, on a eu la permission de Josh Newman de retravailler une deuxième édition du jeu où nous, on a reconçu les mécanismes de dés pour rendre ça encore plus facile pour une application pour des gens non initiés. Alors ça, c'était le fun aussi. Et de ça, on peut tirer juste de Shock, de notre première expérience de Shock, on peut tirer déjà quelques grandes leçons, des idées pour ceux qui considéraient choisir un jeu puis l'implanter. Un jeu qui n'a pas de maître de jeu. On n'a pas un maître de jeu officiel dans Shock. Ça, ce n'est pas un absolu, là, mais c'est un grand avantage là, que la charge de travail soit égale, que les rôles soient... miroir, là, tout le monde, c'est quoi le mot? Symétrique pour tout le monde. Deux, sinon, si c'est un jeu qui implique un maître de jeu, que les règles soient archi simples pour cette personne-là, puis que la préparation n'implique pas comme une grande préparation. Trois, un jeu qui a un début, un milieu et une fin assez claire, qui se joue dans un temps fixe. Nous, on le faisait jouer ça sur une couple de semaines, donc de 6 à 9 heures, disons, pour certains groupes. Ils pouvaient réussir à le faire en 3 des fois, puis le travailler le projet par la suite.
Mais en moyenne, ça prenait comme un 6 heures vraiment pour jouer au jeu puis le finir du début à la fin. Ça, c'est important. Là. On ne veut pas implanter comme un jeu de Donjons et Dragons 5e édition, là, qu'il y a un maître de jeu qui doit faire plein de préparations, que c'est, les fiches de personnes ont comme de personnages ont une centaine de lignes de données qu'on doit entrer dedans, puis plein de règles pour ci, puis de ça. Puis l'attente qu'on pourrait avoir une histoire qui s'éternise sur 15 ans. Là. Oui. C'est pas ça que. Non, non, non. Fait qu'on a comme déjà comme. On savait qu'on avait quelques leçons qu'on pouvait tirer de notre première expérience pour dire aux gens là, qui seraient intéressés de faire ce genre d'implantation. En termes d'implantation, là, c'est sûr que dans le contexte de la pandémie, on avait des enjeux. C'est des enjeux techniques à résoudre, des technologies à utiliser. Là. On s'y est pris avec des fiches de jeux en formulaire PDF. Ça, c'était une chose. Deux, on a utilisé la plateforme Teams qu'on utilise de toute façon pour nos cours. Là, on a fait des canaux là, pour les différents groupes pour qu'ils puissent se partager des copies de leurs documents et une copie du livre de jeu, là, où ils pouvaient se laisser des traces, des notes, où ils pouvaient comme planifier des rencontres entre eux. Là. Mais ça, déjà, ils étaient comme en train de maîtriser cette plateforme-là de toute façon. Pour certains jeux plus complexes, dont on va parler plus tard, on a réalisé qu'on peut enlever une bonne partie de la job, de la charge mentale de résoudre les mécanismes de jeu en utilisant des bots sur Discord. Les élèves sont déjà sur Discord. S'ils sont gamers du tout, là, ils sont sur Discord. Ils se parlent entre eux sur Discord. Ils sont habitués à cette plateforme sociale. Donc, on est allé les rencontrer là où ils sont. Puis, on a remplacé un petit peu la charge mentale d'un autre jeu, surtout, qu'on utilise par un bot qui résout les jets de dés tout seul. On savait que l'idée de jouer à un jeu de rôle était un petit peu anxiogène pour certains élèves. Il y avait une certaine réticence, surtout chez les perfectionnistes, puis ceux qui étaient comme concernés par la réussite dans leur cours. Ils savent c'est quoi un projet de recherche, ils savent c'est quoi un texte argumentatif, ils savent c'est quoi comme une analyse de film à rigueur. Là. C'est toutes des formules qui sont bonnes, là. Puis là, on leur proposait de faire bâtir une échelle avec des bananes. Là. C'était comme quelque chose de complètement fou pour eux, complètement différent. Alors, c'était difficile en regardant le livre, juste sans avoir un exemple, de se projeter dans ben, ça a l'air de quoi exactement jouer à un jeu. Donc, on a préparé des tutoriels sur une chaîne YouTube qu'on a commencé, sur expliquer comment le jeu fonctionne, faire son setup, faire les personnages, puis comment résoudre des situations, l'acte de jouer des scènes pour de vrai. On avait du pain sur la planche. Oui, ça a été pas mal de travail, surtout refaire au complet, redesigner un jeu au complet, puis retravailler le document, puis produire un PDF qui a une certaine qualité, là, qui conserve un peu sa qualité d'explication, sa qualité didactique. Ça a été tout un casse-tête. Fait que ça a été ce qui nous a occupé pendant 2 ans. Mais on ne veut pas vous décourager non plus. Là, on veut vous donner des conseils de comment le faire. Et bon, je vais souligner le fait que notre édition là, de choc, si vous êtes intéressé pour l'utiliser pour un cours d'éthique éthique et politique ou littérature 104, littérature et communication, là, ça, on a un prof ici là, qui réutilise notre jeu puis a pondu son propre évaluation, son propre projet. Puis on va voir que c'est un jeu là, qui peut se prêter à plusieurs sortes d'évaluation. Et on met tout ça disponible pour vous, ainsi que notre chaîne YouTube. On va retourner la semaine prochaine là, des tutoriels avec notre nouvelle version des règles et tout ça, ça va être disponible au réseau. Puis on est disponible pour répondre à la question. Quoi d'autre? Bien, on avait certaines attentes en ce qui concerne les avantages de ce qu'on voulait faire. Et on a commencé à noter nos observations et nos intuitions autour de ça. Les intuitions qu'on avait avant, les observations pendant. Puis on comparait ça avec ce qu'on trouvait dans la littérature pertinente. Et on trouvait qu'il y avait pas mal de overlap. Et même dans la littérature, ça nous suggérait des avantages qu'on n'avait même pas vu venir. Quelques observations et quelques attentes qu'on avait, c'était en jouant à un jeu de rôle, on allait oublier soi-même un petit peu, ses inquiétudes, ses, euh, ses,
les choses qui nous bloquent à prendre parole si on est élève dans une classe, surtout dans les grands groupes. En étant dans un petit groupe et en jouant dans une situation fictive à travers la bouche d'un personnage fictif, c'est plus moi qui parle. Alors, ça les forçait à interagir entre eux, mais sans nécessairement tout le poids qui implique là, de prendre position sur quelque chose là, et le rattacher au moi. Quoi d'autre? On a un collègue, Joseph, en fait, qui c'est la preuve vivante de ça dans son cours. Lui enseigne l'anglais langue seconde. Puis dans un de ses groupes, il y a un étudiant qu'on ne peut pas être 100% certain, mais on suspecte qu'il est probablement sur le spectre du TSA, du trouble de l'autisme. Et puis, l'étudiant donc n'avait jamais pris la parole dans le cours d'anglais langue seconde, alors que ça fait partie de la compétence. Puis lorsque notre collègue Joseph a décidé de faire jouer une partie de Donjons et Dragons à son groupe, l'élève s'est mis à parler puis a confié lui-même à l'enseignant que là, tout d'un coup, c'était correct pour lui parce que c'était pas lui qui s'exposait, c'est son personnage. Puis, par la suite, bien, pour le reste de la session, cet étudiant-là s'est mis à parler puis à participer en classe. Il y a une coquille qui s'est brisée là pour lui. Oui, et ça, c'est une anecdote qui est soulignée dans la littérature. On ne l'avait pas nécessairement mis ici, c'était pas sur notre radar, mais c'est quelque chose qui revient souvent dans la littérature, que c'est une approche qui commence à prendre de plus en plus de place en adaptation scolaire pour des gens avec X, Y, Z particularités là, à leur personne, puis à leur parcours scolaire et à leur risque de réussite et d'intégration sociale, mais aussi comme outil de thérapie. Oui. Ça prend beaucoup de place là, maintenant comme un outil de thérapie. Là. C'est de plus en plus utilisé. Fait que tous les avantages qu'on peut s'imaginer dans ces contextes-là, imagine pour tous les autres élèves aussi, là, ils tirent tous ces avantages-là aussi. Comme on l'avait dit tantôt, là, vu que ce qui se passe dans le jeu devient l'objet d'analyse, on ne les fait pas analyser la matrice, on les fait analyser ce qui s'est passé dans leur jeu. Ben, ce qui s'est passé dans leur jeu, ça existe juste pour eux, là, puis c'est éphémère, puis c'est dans leur mémoire, puis dans leur souvenir collectif, dans leur délusion collective, qu'ils font ensemble là, en jouant. Comment est-ce que je vais acheter un essai là-dessus? Qui va être capable d'écrire le travail à ma place? Oui, c'est bonne ça. Chance. Personne. Bonne chance, ChatGPT. Ils sont pas rendus là encore. On avait l'idée que ça pourrait augmenter la motivation et l'implication. Ça venait d'une bonne intuition, mais aussi de mon expérience comme élève, là, que c'était mes meilleurs souvenirs d'enfance, là, dans le fond, là, dans mon parcours scolaire, là, les genres d'activités qui se ressemblaient le plus à ça. Bien, de toute façon, les jeux en tant que tel sont déjà des systèmes avec des motivateurs dedans. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'on joue à un jeu, les règles du jeu et les mécaniques du jeu, il y a toujours une espèce de boucle de rétroaction dans tous les jeux. Puis il y a toujours une sorte de système un peu de récompense. C'est-à-dire que quand je réussis un bon coup, le jeu va rapidement m'indiquer que oui, bravo, tu as réussi un bon coup. Puis ce qui devient intéressant, c'est que les étudiants, en fait, leur motivation... Quand ils se font prendre au jeu, c'est que leur motivation coïncide avec la motivation de leur personnage. C'est-à-dire qu'ils sont contents des succès de leur personnage. Donc, ils sont contents de réussir des actions complètement fictives, là. Mais ils sont quand même contents de leur succès, même si tout ça s'est juste passé dans leur tête. Ouais. Puis ça, c'est souligné aussi là, dans l'idée Anderson et Rob Stroff, là, Play and Predictive Minds. Là, c'est d'autant plus motivant le fait que il faut qu'on suive ce qui se passe, puis on a le goût de suivre ce qui se passe. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Notre esprit est toujours en train d'essayer de prédire ou de mettre de l'ordre sur le chaos qui se passe autour de nous, là, puis le chaos qui pourrait se passer dans le jeu. Là. Puis on a soit une rétroaction qui nous récompense d'avoir bien pensé, là, d'avoir bien vu venir, ou on est récompensé avec de la nouveauté, là, la surprise de quelque chose qui ne correspond pas à nos attentes. Là. Que ce soit avec, je ne sais pas ce qui va se passer, si je dis quelque chose, qu'est-ce que l'autre va faire, ou si j'essaie quelque chose, qu'est-ce que les dés vont dire en termes du résultat. Dans tout le cas, ça nous tient en haleine, ça nous tient au bout de notre chaise, un petit peu comme un bon film. Mais un film dans lequel on est. Puis, l'idée d'être dans la peau ou dans la tête de quelqu'un d'autre, de penser à travers les motivations, les perceptions de quelqu'un qui n'est pas moi-même, me force à confronter un genre d'empathie ou de compassion pour des gens qui sont mis dans des situations difficiles. Quelque chose auquel on fait face beaucoup dans les cours d'éthique,
c'est que les dilemmes éthiques, les dilemmes moraux, les problèmes politiques semblent toujours plus simples de loin. Avec un esprit chirurgical, rationnel, on applique tel principe, on applique telle théorie, output, ça nous donne qu'est-ce qui serait la bonne chose à faire ou la chose à ne pas faire et fournit sa propre justification. Et c'est très clean. Ouais, ben c'est très tranché, c'est très noir et blanc. Ouais. C'est-à-dire que, bon, on a le problème classique en philosophie éthique, c'est le fameux trolley problem, là, avec un wagon qui s'en va foncer sur trois personnes, puis je pourrais le faire dévier, va seulement écraser une seule personne. Ouais. Puis, ben, c'est sûr que dans ce contexte-là un peu théorique, un peu vague, beaucoup de gens vont dire ben, je vais tirer sur le levier, puis je vais écraser une seule personne et sauver trois vies. Mais ça, c'est facile à faire parce que ce sont des inconnus puis que la situation est fictive. Je ne suis pas impliqué dedans. Ce que le trolley problem néglige, c'est le fait que, premièrement, moi, je suis impliqué. Je vais devoir moi-même tirer le levier. Puis, qu'est-ce qui arrive si les trois personnes sur le rail sont attachées là, sont des criminels, puis la personne toute seule sur l'autre rail, c'est ma mère. Est-ce que j'écrase ma mère pour sauver trois criminels? Est-ce que tuer une personne pour en sauver trois, est-ce que le principe se maintient quand ça commence à devenir des vraies personnes? Fait que, comme les étudiants vont jouer leurs personnages, tout d'un coup, même quand les personnages font des choses qui sont moralement questionnables, les étudiants vont quand même conserver cette espèce d'empathie-là parce qu'ils l'ont vécu de l'intérieur. Ben, je sais pourquoi il agit comme ça. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec lui, mais je comprends pourquoi il fait ces choses-là. Puis l'autre affaire qu'on a observé, c'est que les étudiants même ont tendance à davantage apprécier les personnages des autres que le leur. Ils ont tendance à vraiment tomber en amour avec les personnages des autres joueurs plus que le leur. C'est très intéressant, ça. Ouais. Ils sont forcés à réagir au tac, là, avec des situations qui sont comme plus complexes, plus humains, plus nuancées dans le moment. Ils sentent des vraies émotions pour des affaires qui n'existent pas. Puis ils décident, puis ils foncent, puis ils font, puis ils dealent avec, ou ils doivent comme accepter les conséquences, puis la fiction continue de rouler, mais par la suite, rendu à la vraie évaluation, parce qu'il faut dire que l'histoire qu'ils vont prendre, ça, c'est pas l'évaluation. L'acte de jouer puis de bien comprendre les règles, ça, c'est pas l'évaluation. L'évaluation, c'est l'analyse de ce qui s'est passé, puis ils sont capables de vraiment faire le lien entre « OK, là, je vais regarder la décision que j'ai prise à travers les différentes théories. » Je vais soit endosser ou condamner ce que j'ai fait, mais je vais comprendre aussi d'un aspect ou d'un côté humain que Colin, c'était un vrai dilemme. C'était vraiment pas évident sur le coup et il fallait que je décide. Ce qu'on trouve ressemble un petit peu plus à la vraie vie. Ouais. La littérature endosse et suggère à peu près les mêmes choses qu'on avait prévues, là, surmonter la gêne, augmenter la motivation. Comme j'ai dit tantôt, l'esprit prédictif et l'apprentissage, là, tu sais, en devant essayer de suivre ce qui se passe, là, tu sais, notre cerveau est toujours en train d'essayer de faire des prédictions qui s'avèrent soit vraies ou faux, là, puis il est renforcé, puis il est récompensé à tous les fois là, d'avoir porté attention à ce qui se passe. De développer l'empathie, la compassion et développer notre esprit critique. C'est ça qu'on voyait aussi. C'est ça qui était cool. Bon. Est-ce que tu veux parler de ça un peu? En fait, le même jeu, à la base, notre équipe qu'on a formée, c'était avec Richard, moi, puis un collègue qui s'appelle Bradley. Bradley, lui, avait décidé de simplement prendre la structure de choc, la structure de mise en place, on veut de la fiction, pour ensuite demander à ses étudiants de créer des espèces de nouvelles où ce qu'il allait mettre en scène les dilemmes moraux. Donc, lui, il n'allait pas les faire jouer pleinement au jeu, employer toutes les mécaniques, mais il y a des éléments et des composantes du jeu qui, lui, trouvait intéressantes puis qui allaient aider les étudiants, les guider dans une sorte de brainstorm sur une fiction collective. Dans mon cas, moi, je faisais vraiment jouer une session de choc, le jeu lui-même, puis les étudiants ensuite répondre à des questions d'analyse, d'introspection sur leur univers affectif, sur les personnages. Puis je faisais des travaux à l'écrit à ce moment-là, mais je me suis rendu compte plus tard que le projet de Richard, je le trouvais beaucoup plus intéressant, où lui demandait plutôt aux étudiants de s'enregistrer dans une conversion vidéo
où tout le monde va pouvoir échanger sur la fiction, parler entre eux comme une gang d'amis qui parlent d'un film qu'ils sont allés voir ensemble au cinéma. De s'adresser ensemble à une suite de questions de réflexion sur ce qui s'est passé dans le jeu. Puis l'élément que je trouve le plus fun du projet de Richard, c'est son petite composante où, bon, dans la conversation, peut-être qu'un étudiant a de la difficulté à répondre à une question. Puis là, ben, peut-être qu'un collègue va arriver et va lui sauver la mise en disant « Ouais, mais tu te rappelles pas, tu as fait telle affaire dans le jeu. Ouais, » je suis relancé le ballon, là, tu sais, pour que, pas pour répondre pour lui à sa place, mais dire « Hey, t'oublies ça, là, parle de ça. » Je vais le récompenser, celui qui aide son coéquipier, là, puis que c'est transparent que... C'est ça qui se passe. Là, fait qu'il y a quelques points donnés sur la note finale pour est-ce que tu as été un bon joueur d'équipe, est-ce que tu as passé le puck, comme on dit en bon français. Mais là, déjà, on voyait que juste pour nos cours à nous, qui est le troisième cours de Humanities, le cours d'éthique et politique, on voyait que le même jeu dans le contexte du même cours peut donner des projets de trois natures différentes. Fait que là, déjà, on avait une piste là, que peut-être que ça pouvait s'étendre à d'autres pratiques. Là. Ouais. Excusez-moi, vous deux... C'est peut-être que vous allez en parler un peu plus tard, mais il y a Stéphanie qui pose la question. Elle trouve ça super intéressant, mais pour elle, c'est encore un peu fou, là, l'idée de jeu de rôle, de ce que c'est. Elle dit « Je suis une préquipe, mais pas une DD. » Je ne sais pas ce que c'est une DD. Alors, ça m'échappe un peu. Puis là, ben, elle dit « Est-ce qu'on peut jouer? » En fait, est-ce que vous avez comme une espèce de scénario, peut-être, ou d'activité que vous pourriez présenter qui porterait sur une activité de jeu de rôle? On aurait aimé ça pour faire une sorte de simulation de jeu de rôle et tout, mais c'est sûr que la formule webinaire ne le permet pas tellement. Ça rend tout très complexe. Par contre, il y a deux choses qu'on peut proposer. Nous, premièrement, on va vous fournir des liens vers notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez regarder les tutoriels des différents jeux qu'on emploie. L'autre chose qu'on adore faire, c'est que les personnes qui sont intéressées, c'est ce qu'on a fait déjà avec des collègues de d'autres cégeps, c'est qu'on se fait une rencontre même en ligne, puis là, on va jouer avec quelques personnes, deux, trois personnes en ligne pour faire vraiment une démo du jeu. On ne jouera pas une partie complète. En général, la démo dure une heure trente, mais les gens savent comment créer le tout, faire un personnage, puis jouer une scène. On a vraiment une idée de comment le jeu joue. Là, c'est vraiment les meilleures avenues, puisqu'autrement, ici, en 10 minutes, ça serait un peu difficile là, de faire quelque chose. Mais le scénario classique d'un jeu de rôle, là, si on peut comme évoquer l'image dans la conscience publique et dans la culture populaire, là, ça serait comme la table de Donjons et Dragons. Il y a quelqu'un qui a une idée de scénario. Il propose voici la situation. Puis les autres joueurs jouent des personnages qui ont des habiletés, des faiblesses, des traits de personnalité qui ne sont pas le leur, qui essayent de travailler ensemble à trouver une solution au scénario. Puis ils disent ce qu'ils font, puis le maître de jeu donne des rétroactions sur comment la situation évolue en réponse. C'est toujours une sorte de presque de jeu de questions-réponses. C'est-à-dire que le maître de jeu va présenter une situation, va ensuite s'adresser aux joueurs en leur disant « qu'est-ce que vous faites? » Eux vont décrire leurs actions. Tout dépendamment des gens d'action qui décrivent ça, que le maître de jeu dit simplement c'est quoi les conséquences, ou encore on passe au dé. Puis ensuite, bien, le maître de jeu va décrire un peu les conséquences, puis va reposer la question, va relancer la balle aux joueurs. Bon, mais maintenant, qu'est-ce que vous faites? Puis les joueurs vont encore répondre, puis voir cet échange-là. En fait, l'histoire se bâtit comme ça, en fait. Puis du côté du maître de jeu, le niveau de préparation de scénario, ça varie. Ça peut être qu'on a beaucoup d'informations prédéterminées sur le scénario que les joueurs vont explorer. Ou bien, ils improvisent une bonne partie de ça. Ils ont deux, trois petites idées, ils ont des grandes lignes de choses qui pourraient se passer, mais ils sont vraiment juste à l'écoute de ce que les joueurs ont l'air de vouloir faire, puis ils leur posent des difficultés, ils imposent des complications, ils répondent à ce qui se passe dans les choix des joueurs. Oui, parce que c'est un petit peu ça. À chaque, comme il n'y a pas de maître de jeu, ben là, chacun à tour de rôle fait comme le mini maître de jeu pour le protagoniste, pour le joueur en face de lui. Le jeu qu'on voit présentement à la diapositive, c'est un autre jeu qu'on s'est servi dans le cadre des cours d'éthique, puis lui a un maître de jeu. Mais ce jeu-là, encore une fois, ne demande pas d'avoir préparé un scénario d'avance. C'est-à-dire qu'on a juste une idée de c'est qui l'autorité, la personne qui rend le monde dystopique. Les joueurs vont jouer des jeunes adolescents rebelles, puis la personne qui est en charge de l'autorité n'a pas d'histoire prescriptée. C'est même les joueurs qui vont dire, qui vont cadrer les scènes, qui vont débuter les scènes, puis on dit comment ils vont tenter de faire des problèmes à l'autorité. Puis, encore une fois, c'est cette espèce de jeu-là de questions-réponses. Là. OK, bien voici, ça se passe, qu'est-ce que vous faites maintenant, puis ainsi de suite. Puis ça roule comme ça.
ce que Misfit Youth a en commun par rapport à Choc, c'est que dans les deux cas, il y a une création commune de l'univers de fiction. Ça, c'est très important pour nous. Ça fait que les joueurs ont une sorte d'investissement initial dans le jeu. Dans les deux cas, autant Choc que Misfit Youth, la structure de jeu est très claire, la structure des scènes est très claire. Donc, scène par scène, on vous prend par la main et on vous dit quoi faire pour qu'une scène se déroule. Puis ensuite, ben, la dernière grande caractéristique de Misfit Youth que Choc a aussi en commun, c'est que les personnages sont décrits de manière essentiellement qualitative. Il n'y a pas de statistiques à calculer, il n'y a rien de complexe, il n'y a pas de grande mécanique. Dans le cas de Misfit Youth, c'est quelque chose comme 5 traits de personnalité, puis ça y est, tu as ton personnage, tu le joues. Ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que ben, dans les deux cas, Choc et Misfit Youth, les étudiants ont le même espèce de plaisir à jouer. La courbe d'apprentissage est relativement légère dans les deux cas. Ça donne lieu à des projets où les étudiants, on sent bien là, que dans ce qu'ils nous écrivent, ils ont particulièrement apprécié en fait d'avoir à faire ce projet-là en tant que tel. Il y a d'autres cours de Humanities, dont le deuxième Worldviews. Puis dans ce contexte-là, ben, on a décidé d'explorer des jeux différents. Puis là, ben, sans entrer trop dans le détail, dans le contexte de Worldviews, je pousse la coche un peu plus loin. Les étudiants jouent à un jeu de rôle qui se passe dans un certain univers, souvent une société ancienne. Puis je leur demande, eux, de faire du design de jeu, la conception de jeu. Le cours Worldviews, c'est un cours qui a une nature comparative. Donc, je veux amener les étudiants à changer un jeu, à le transformer pour que ça soit dans un autre univers, puis ensuite à eux faire un travail d'analyse où ils me parlent de leur choix de design, de qu'est-ce qui peut être similaire au jeu original, puis qu'est-ce qu'ils doivent absolument changer et pourquoi ils doivent faire ces changements-là. Donc, ça les force, eux, à faire la comparaison, le contraste entre deux visions du monde, puis montrer qu'un jeu de rôle, ça exprime aussi une vision du monde. Ça parle aussi de comment on envisage les choses, là. Fait que ça a montré qu'il y avait un gros, gros potentiel, finalement, là, à employer les jeux de rôle en humanité, en tout cas. Bon, donc, qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années depuis qu'on a commencé en 2020? Bien, on est allé, comme vous le savez probablement, au colloque de l'AQPC l'année passée. Et on a vu qu'on n'était pas les seuls à être attirés par des sujets qui entourent la ludo-pédagogique est très tendance. Le réseau collégial démontre un certain intérêt. On a eu notre article dans Éductive. On fait un petit peu de promotion sur TikTok avec le collège. On a développé notre propre Instagram pour partager des images et des courtes vidéos, ouais, sur des choses les projets qu'on fait. Et on développe surtout du matériel. On a développé des nouveaux fiches de personnages plus faciles à suivre, un genre de procédurier, comment jouer à Choc, ainsi que la deuxième édition du jeu qui est publiée à notre nom. Et où est-ce qu'on va à partir d'ici, nos nouveaux horizons? On part dans plein de directions en collaboration pédagogique. On a commencé par travailler avec notre collègue Sébastien qui s'est intégré à notre petit groupe. Là. Lui enseigne les cours de philosophie. Donc, le troisième, éthique et politique, c'est celui qui ressemble le plus au troisième cours de Humanities, là, que c'est Ethical and Political Issues. Donc, le projet de Choc, ça allait super bien en éthique et politique. À part de ça, on a notre collègue Geneviève qui enseigne littérature 104, qui veut faire une autre sorte d'évaluation autour du même jeu, de faire jouer le même jeu. On essaie aussi avec certains autres collègues d'identifier quelles sont les sortes de jeux des idées de design de jeux qui pourraient intégrer dans leur évaluation ou dans leurs activités d'apprentissage. Comme présentement, on entend pour parler avec une enseignante dans le programme de commercialisation de la mode, pardon, où elle voit comment elle, dans une séquence de trois cours qui se suivent, comme c'est toujours la même cohorte, puis c'est des étudiants qui sont toujours dans les mêmes équipes, elle s'est dit, bien, moi, mes cours portent sur la vie d'entreprise. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer des mécaniques de jeu qui simuleraient, en fait, les différents postes d'entreprise, qui aussi serviraient d'aider comme pour générer de manière aléatoire des problèmes, puis des obstacles qui se dressent devant l'entreprise pour que les jeunes apprennent à réagir un peu du tac au tac à toutes sortes de scénarios. Donc, là, ça va plutôt se faire à partir du mois de mai. Mais on voit que même dans le contexte d'un programme comme la commercialisation de la mode, où c'est des cours vraiment sur l'achat de matériel, comment être l'entreprise mode, on voit que même dans ce contexte-là, il y a moyen par le jeu de faciliter l'apprentissage, même peut-être de l'accélérer dans un sens. En tout cas, c'est ce qu'on espère faire. Donc,
on a du pain sur la planche, je n'ai pas fini, mais c'est ça, on veut. Là, présentement, ce qu'on aime faire, c'est de rencontrer des gens qui sont intéressés, de s'asseoir avec eux, puis soit de déterminer c'est quoi leurs besoins, ou encore de leur montrer ce que les jeux qu'on connaît déjà peuvent faire. Et avec mon background dans le comportement organisationnel, qui est un peu la psychologie des entreprises ou des gens dans les entreprises, je me suis dit, il y a du fort potentiel ici. Là, on voit les élèves tisser des liens entre eux. Là. Moi, je pense que ça marcherait très bien comme outil de développement professionnel et de team building pour bâtir des esprits, un esprit d'équipe. Je ne suis pas en faveur du mandatory fun. Là, je ne voudrais jamais qu'une entreprise impose ce genre d'activité-là à un département, mais qu'il le propose, je pense qu'il y a bien du potentiel. Aussi, on travaille en lien avec nos collègues, nos étudiants, oui, dans l'asso là, pour faire des soirées de jeux là, et animer un petit peu de vie étudiante. En fait, on a des diapos sur ce qu'on a dit déjà sur la collaboration pédagogique. On va juste souligner qu'on est ouvert vers le réseau collégial aussi. Là, si vous avez des questions, là, tant qu'à vos propres idées, soit comment implanter le jeu qu'on a utilisé ou comment choisir un jeu, comment l'implanter, on est très ouvert à échanger là-dessus puis vous appuyer. Ou bien pour animer des séances de développement professionnel et esprit d'équipe, là, on va faire notre deuxième là, aujourd'hui, tout de suite après le webinaire. On a quatre différentes tables avec quatre différents animateurs. On va proposer quatre scénarios différents à une vingtaine de nos collègues qui ont choisi de passer leur journée pédagogique à faire ça plutôt que le yoga ou d'autres ateliers possibles. Oui. Fait qu'on propose, on anime des sessions de jeu pour favoriser la collaboration lors des journées pédagogiques. Ça va être la deuxième aujourd'hui. Et on est ouvert à l'étendre à d'autres contextes. Moi, je vois d'autres départements au sein du collège ici là, qui auraient besoin d'une intervention de notre part. Oui, d'apprendre à devenir un peu plus, avoir des rapports un peu plus amicaux ensemble, puis de s'étendre un peu avec les jeux. Puis peut-être éventuellement de regarder à l'extérieur du collège, soit dans le réseau collégial ou bien dans les entreprises, là, s'il y a des services qu'on peut offrir là-dessus. Là, parce que nous, on aime ça jouer, puis on voit le potentiel d'un jeu bien joué. On a fait notre premier événement avec les élèves. Ça a été un grand succès où les profs de Humanities at Play, on a offert quoi, quatre tables différentes, six jeux différents, six différentes sessions de jeux sur une journée juste avant l'Halloween. On a offert juste des scénarios thématiques horreur Halloween. Ça a très, très bien fonctionné, tellement que l'administration nous a demandé « Hey, on n'était pas sûr au début de votre affaire, là, mais vous allez en faire un autre à l'hiver. Ouais, » c'est plus exigé que demandé. Oui, c'est ça. Vous en faites une autre. On a le deuxième de planifié pour le mois de mars. On est en développement là-dessus. Et à partir des participants de la première journée, il s'est formé un serveur Discord pour qu'eux autres gardent contact entre eux, qui commence à être, dans le fond, un noyau pour un club officiel de notre association, là, basé sur les jeux de table, les jeux de rôle puis les jeux de société. Fait que nous, on veut continuer à mettre la lumière sur notre pratique, montrer l'application des jeux de rôle au-delà de nos propres cours, travailler avec d'autres qui sont intéressés par l'idée de la ludopédagogie en général ou qui seraient intéressés d'échanger surtout sur l'implantation de jeux de rôle dans leur cours. Puis, voilà. Voilà, c'est pas mal. On voulait vous garder le plus de temps possible pour les questions. Vous avez ici nos adresses courriel. On est toujours ouvert. On répond assez rapidement. Merci aux demandes. Parce qu'on sait que, bon, une présentation comme ça, c'est un peu succinct, c'est un peu court. Puis je pense que le mieux, c'est dans plus petits groupes, de pouvoir en parler des fois. Souvent, il y a des choses qui allument. Ou juste nous rencontrer, jouer, voir si c'est quelque chose qui vous plaît. Ouais. Ou nous inviter dans vos journées pédagogiques aussi, là, faire la demande à vos, je ne sais pas, les conseillers pédagogiques ou c'est qui au public qui organise les journées pédagogiques, là, mais si jamais vous avez des occasions d'inviter des conférenciers ou faire des ateliers comme pratiques, ben, on pourrait faire une partie de ce qu'on vient de faire aujourd'hui ou surtout même vous faire jouer, vous faire expérimenter un jeu. Passionnant. Vous avez l'air vraiment à triper. C'est super de fun. Je trouve ça bien intéressant. Il y a Frankie Beauchamp. C'est la personne au début qui disait qu'elle enseignait en pédagogie là, à l'Université de Montréal.
je pose la question, je suis vraiment intéressé sur le fait d'inviter des étudiants à développer des compétences de méta-jeu, réfléchir sur les mécaniques du jeu, en créer. La question s'adresse à Dominique, mais j'imagine qu'elle s'adresse à Richard aussi. Tu as testé quelques pratiques qui sont plus orientées là-dessus. Est-ce que tu pourrais en dire davantage? Oui, OK. Bien, c'est une excellente question parce que là, j'aurais tendance à dire que autant je suis content de faire choc en éthique, autant là, présentement, mon vrai dada, mon petit bébé, c'est de faire du design de jeu à mes étudiants dans le cours de Worldview. Donc, j'explique un petit peu plus en détail ma démarche. Ce que je fais, c'est que mes étudiants, donc, commencent la session, se mettent à apprivoiser un jeu qui existe déjà, encore un jeu de Joshua Newman d'ailleurs. Ça donne que ce design-là produit des jeux qui cadrent bien ce que je veux faire. Donc, le jeu propose aux étudiants de jouer des personnages, des héros du type des mythes de l'âge bronze. Là, je pense, mettons, à un Hercule, à un Ulysse, à un Achille, ou encore des personnages bibliques comme Samson dans la Bible, ou encore Jacob, ou ce genre de personnages-là. Donc, dans l'âge bronze, les joueurs donc jouent avec... font une première séance de jeu pour connaître le jeu original, voir un peu comment les mécaniques fonctionnent à table, qu'est-ce que ça produit comme effet à table. Puis ensuite, eux doivent concevoir un autre univers de jeu en conservant l'ensemble des mécaniques. Parce que, bon, le temps ne me permet pas, moi, dans le cadre de mes cours d'Humanities, de renseigner des principes vraiment de design de jeu. Mais c'est les élèves les plus poussés là, qui vont se poser la question. Ah ouais, mais les jets de dés, là, si je change ça, ça change la donne aussi. Là. Puis souvent, ça va être les élèves en jeu vidéo qui se posent ces questions-là. Oui, les élèves en jeu vidéo sont plus intéressés un peu à changer les mécaniques en tant que telles, mais souvent, on va mettre l'accent sur ben, changer les noms des concepts de jeu. Puis ça a l'air de rien, ça a l'air banal comme ça, mais... changer. Bon, par exemple, dans le jeu original, il y a un concept de jeu qui s'appelle la destinée, des points de destinée. Il y a une différence entre gagner des points de destinée d'un côté, puis changer ça pour quelque chose comme gagner des points. Je parle ici en anglais d'agency. On pourrait dire un petit peu d'agentivité, là, d'être capable d'être libre. Bien, ça montre qu'il y a une conception différente, là. Penser que l'univers est tout écrit d'avance puis quelque chose comme un destin écrit d'avance, ça ne donne pas la même vision du monde que de penser que non, tout est libre, je peux faire des choix, j'ai le libre arbitre. Fait que, des fois, juste changer les termes de jeu comme ça, c'est assez pour qu'il y ait un changement de mentalité des joueurs, de comment ils perçoivent les choses. Puis bien, c'est du design de jeu plus élémentaire un peu, ça reste plus au rang des pâquerettes, mais il y a quelque chose d'intéressant parce que je demande aux étudiants surtout d'expliquer en fait leur choix de design. Puis comment eux pensent que les choix, les changements qu'eux vont faire sont des changements susceptibles de communiquer la nouvelle vision du monde qu'ils veulent communiquer à travers leur jeu. Fait que c'est fun un peu d'explorer ça. J'aimerais ça un jour être capable de donner un cours où je pourrais me plonger là, dans le détail là, du design de jeu, mais le temps me manque. Moi, j'en fais du design pour le plaisir, mais le temps me manque, les étudiants. Mais merci pour la question, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent commenter, qui ont des questions? Je vais demander, c'est certain, il y a des personnes, là, bien sûr, dans l'espace de discussion. Je pense à Jenny qui dit que c'est vraiment, vraiment inspirant. Puis il y a des gens qui seraient probablement là, intéressés à vous recevoir dans votre collège. C'est donc dire que votre présentation a un impact. Je sais que tantôt, vous avez laissé entendre qu'il y a de la documentation que vous pourriez mettre à la disposition des gens. Des fiches de jeu, je pense qu'on y a accès, entre autres, dans l'article éducative. Oui, justement. Les fiches de jeu, le livre en soi, là, notre deuxième édition. Notre fiche de jeu, par exemple, elle va être modifiée bientôt. On va faire en sorte que sur Éductive, ils changent le lien pour la nouvelle version très bientôt. Il y a aussi le lien vers les tutoriels YouTube qui est disponible sur l'article. Mais c'est ça aussi, on va retourner un autre la semaine prochaine pour refléter les changements au jeu qu'on a fait. Fait que là, dans le moment, ce que vous avez là, c'est des versions. C'est les versions qui sont les plus à jour dans ce qui est achevé. Par contre, ceux qui le savent un peu, là, quand on écrit des livres ou qu'on fait du design, c'est jamais parfait, il y a toujours des améliorations à faire. Fait que là, maintenant, ben, on a une nouvelle mouture du jeu urgent en anglais, puis on arrive bientôt avec un nouveau document, puis une nouvelle documentation en français. Ça, c'est à venir là, dans les semaines qui viennent. Ouais. C'est juste que, juste pour préciser un peu, nous, notre collège ne nous libère pas d'enseignement pour ce qu'on fait. Fait que ce qu'on fait, c'est vraiment...
comme sur le côté, on the side, là, à côté de notre tâche pleine d'enseignement. Fait que c'est sûr que c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. On aimerait ça être, avoir encore plus de disponibles pour ça. Mais ça en même temps, on n'arrête jamais. Puis on n'arrête jamais. On n'arrête jamais. Vous allez voir, d'ici un mois, là, tout va être mis à jour. Puis, mais là, vous allez voir, ça va être où? Vous allez voir, ça va être... On va reprendre contact avec Eductive pour changer, ouais. Pour changer okay. Les liens. Pour ouais. Remettre à jour okay. Les liens qui sont dans l'article. OK. En fait, c'était ça. C'est avec Eduque.info. C'est dans l'espace du centre de documentation collégiale, les liens, mais on verra comment adapter tout ça. Moi, en tout cas, vous restez dans mon collimateur. Là, ouais. Ouais, de toute façon, si la capsule est mise sur YouTube, nous, ce qu'on pourra faire aussi, c'est peut-être... bon, souvent dans les descriptions de vidéos YouTube, on peut mettre des liens et tout. On pourra s'arranger pour fournir des liens là, vers les nouvelles versions, soit du vidéo ou encore des jeux comme ça. Ben, les gens qui vont écouter le webinaire pourront aller cliquer sur les liens avec les versions de tout à jour à ce moment-là. Là, il y a trois questions qui te sont posées. Deux par Samuel Lisotte, qui est un prof de philo, qui aime les jeux de rôle, mais dans un contexte plus personnel. Mais je pense que l'idée l'intéresse aussi. La première question de Samuel, c'est quand vous dites que ça vous prend quelques semaines, faites-vous ça, est-ce que vous faites ça durant les cours ou c'est pendant les... Non. OK, c'est pendant les cours. Okay. Oui, ce qui se passe en fait souvent, c'est qu'on va donner un premier cours où on va parler de qu'est-ce qu'un jeu de rôle en général, puis surtout on va familiariser les étudiants avec les outils qu'ils vont employer pour jouer au jeu en tant que tel. Au préalable, on leur a déjà fait lire les règles du jeu, donc ils sont familiarisés avec les règles du jeu. On va faire un cours où là, vraiment, on va expliquer un peu plus en détail, on va répondre aussi aux interrogations parce qu'il y en a souvent, c'est normal. Le cours d'après est en général consacré à la mise en place du jeu. C'est-à-dire que là, les étudiants ensemble vont convenir d'un contrat social pour le jeu, c'est quoi les limites aux thèmes qu'on peut aborder et tout en classe, dans l'histoire. Ensuite, ils vont faire la création de l'univers et des personnages. Ça va être une deuxième semaine. Ensuite, là, il va y avoir une semaine où les étudiants vont jouer leur scène en tant que telle. Puis on réserve habituellement une quatrième semaine où les étudiants ont le choix, soit qu'ils terminent les scènes ou leur histoire, si on n'a pas le temps de terminer leur histoire, ou ils peuvent prendre ce temps-là en classe pour produire le projet lui-même, l'analyse elle-même. Même chose dans le cas du design, ils ont 3 heures en classe pour travailler sur leur projet de design. Des fois, ils n'ont pas le temps de tout finir en classe, mais notre optique, notre façon de fonctionner, c'est de se dire, bien, on va vous donner la lecture, la préparation à faire en début de session, quand dans vos autres cours, on ne vous a pas surchargé de projet. Puis dans nos cours à nous, on va s'arranger pour consacrer beaucoup d'heures de classe pour s'assurer que vous ayez le moins possible à faire à la maison. Parce qu'on le sait que si on veut les surcharger en fin de session avec tous les autres projets, avec un espèce de projet bizarre de jeu de rôle, ça va être un peu n'importe quoi. Par contre, la pratique nous a montré que les étudiants, des fois, se mettent plutôt à jouer pour le plaisir par la suite. J'ai un groupe d'étudiantes qui est dans mon cours avec le jeu sur l'âge de bronze. Je leur demande de jouer au moins une session. Les étudiants étaient rendus à leur 6e session au jeu. J'arrivais le soir chez moi, j'allais sur Discord, puis je voyais qu'il y avait des GD qui se faisaient sur le serveur, puis les étudiants étaient en meeting sur Discord, puis ils continuaient à jouer, puis ils ont juste continué à jouer comme ça pour le plaisir entre elles, là, par la suite. Merci. Je pense que vous avez répondu aussi à la deuxième question de Samuel qui demandait de l'engagement en heures par semaine. Bien là, je pense que vous y avez répondu aussi. Il y a Francky qui pose la question, de manière générale, les jeux, ça attire plus les gars. Point d'interrogation, juste pour explorer les préconceptions, comment ça se passe en classe. Les élèves de différents domaines. Donc, deux questions en une. C'est spécial parce que, bon, c'est sûr qu'on pourrait penser que ça allait tirer davantage les gars. Par contre, c'est sûr que nous, les jeux qu'on utilise ne sont pas des jeux classiques, jeux de rôle avec je monte des niveaux puis je tue des bibittes, là. C'est davantage les jeux qui servent à produire de la narration. Fait que là, de coup, les femmes m'embarquent pas mal. Puis même, j'aurais tendance à dire que, moi, mon expérience me montre que les femmes ont tendance à jouer des personnages autrement plus violents que les joueurs masculins. Mais vraiment, là, un autre niveau. Mais aussi très engageant, ouais. Là. T'sais, c'est comme, peut-être à la base, on pourrait avoir l'idée que les femmes ont moins tendance à avoir le goût de jouer dès le début, là, mais rendu dedans, là, ça botte des culs. Là. Elles sont vraiment comme les femmes en général, la femme moyenne, je pense qu'elle est mieux outillée pour bien jouer à ces jeux-là que l'homme moyenne. Oui, mais en tout cas, c'est parce que souvent, cet âge-là et tout, on le perçoit dans nos groupes, là, on sent un petit peu les écarts hein, de maturité des fois entre les deux genres, si on veut. Fait
sans trop être dans la grosse généralisation, ouais. Là, on sent bien qu'il y a une différence là. Puis il y a une espèce de lâcher prise aussi qui se fait chez les joueuses. C'est-à-dire que j'ai un groupe. Bon, je permets des fois à mes étudiants de jouer en langue maternelle parce qu'on a beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, un groupe d'étudiantes chinoises, là, je sais bien qu'elles vont être davantage capables d'improviser en mandarin, qu'elles vont être capables d'improviser en français ou en anglais. Donc, je les laisse jouer dans leur langue. Puis là, tout d'un coup, là, t'as une équipe, là, sont quatre étudiantes, ça parle en mandarin, ça rit, ça rigole, ça réagit vraiment fortement au jet de dés et tout. Puis là, ben, tu vas leur parler par la suite, tu leur demandes de raconter qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis tu racontes que, oui, ben, nous, c'est une nouvelle science-fiction où les criminels sont transformés en coquerelles géantes, intelligentes, contrôlées avec des puces. Puis là, ben, finalement, mon ami ici, son personnage, il s'est fait transformer en coquerelle à la fin. Tu sais, ils sont bien contents. Ils ont trouvé ça drôle d'être cruel un peu avec leur ami. Ouais. Ouais. Puis aussi, on voit un engagement auquel je m'attendais pas, mais qui n'est pas surprenante en rétrospect, là, des femmes, surtout des femmes qui étudient dans les techniques d'éducation spécialisée. Tous les programmes qui touchent un petit peu à la psychologie, elles aiment ça, l'idée de penser à travers des problèmes, mais aussi penser à travers la tête de quelqu'un d'autre. Ouais. Elles aiment ça, ouais. Prendre cette occasion-là de le faire. Ouais. J'espère, Francky, qu'on a bien répondu à votre question. En tout cas, j'ai trouvé ça. Oui, allez, wow, merci. Là, parfait. C'était passionnant. Je vous ai écouté pendant une heure encore. C'était vraiment intéressant. Je vous remercie à tous les deux. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Je ne sais pas si vous allez au colloque de la QPC du mois de juin, mais merci beaucoup pour toute cette information-là. Puis j'espère qu'on va garder le contact. C'était vraiment passionnant. Et puis, Richard, je trouve que tu ressembles à Dimitri Soudard, ça, un peu. Alors, je vous dis à bientôt. Merci tout le monde. Merci aux participants. Encore. Qui ont été très attentifs et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Bye. Bye.